Affale! Affale doucement! Décamp? Ouais, je retourne à Montréal. À Montréal? Avant d'avoir rencontré le gouverneur. Que le ciel le bénisse, le gouverneur. Mais qu'est-ce qu'il prend? J'attends depuis 15 jours. Il n'a pas daigné me recevoir encore, le gouverneur, alors j'ai compris. Je replie bagage. J'ai autre chose à faire que de me balader dans les rues de Québec. Mais le gouverneur t'a convoqué. Il t'a recommandé au grade d'enseigne auprès du ministre de la Marine. Il y a 15 jours de ça. Depuis, je moisis à Québec. Tu veux que je te dise? Se moque de moi, le gouverneur. Et moi, tu veux que je te dise? Tu fais ton le moine. Mais il y a un grain, tu hisses la voile. Attends que ça se calme. J'ai assez attendu. Mais tu partiras demain sur le haut du jour. Il s'en vire une salée en bas. C'est pas le moment de lever l'ancre. Salée, qu'est-ce qui se passe? Morgan, t'as pas dit? Ben, en fait, Radisson et des groseilliers, ils arrivent de la baie du Son. Radisson? Avec la cale bourrée de peau de castor, je suppose. Si c'était que ça. Les Delurons ont réussi à capturer une frégate anglaise. Quoi? Mais elle mouille au large. Ça pintoche dur en pas. Allez, viens, Radisson veut te voir. Je sais pas, tu vas pas refuser de boire un pot à la santé de Radisson, non? Et de sa frégate. Allez. Je bois à la bonne ville de Québec! Ouais! Et à la santé de tous les vaillants buveurs de la Bourgogne! Et moi, mes amis, je bois à Pierre-Esprit Radisson, la terreur de la baie du Tson. Voilà le nom! Travers l'autre nom! Les sacrés noms d'une pipe, c'est... Mes amis, je bois la santé de Pierre Allemand! Et de ce sacré pan de d'Iberville! Le moine de bord en bord! Oh, c'est le moine, de vrais pionniers! Mais ils ne comprennent rien au commerce! Surtout avec les Anglais! No doubt about it, sir. We are anchored off Quebec. Well, here is our chance, if ever. Yes, for us to get you ashore. Yes, but how? Hey, vous autres! Qu'est-ce que vous marmonnez? Il est interdit de parler. Shut up! Ça tombe en ruine. Je plains ceux qui auront à se battre avec cette ferraille. Où est l'affût? Il n'y en a pas. Quelle pitié. Des armes en pièces, des hommes épuisés. On s'en souviendra de la tempête.
Là, il ne faut plus bouger. Scorbut, la gangrène. C'est à l'hôpital qu'il faudrait les faire transporter. Ici, dans un entrepôt, on ne peut rien faire. Il n'y a plus un coin de libre à l'hôpital. Les pauvres, ils sont venus ici pour exterminer les Iroquois. C'est l'épidémie qui les décime. De l'eau! Voilà, voilà, mon brave. Vous vous en occupez. Ma mère, voilà le gouverneur qui arrive. Qu'est-ce que vous dites? Le gouverneur, c'est un soldat qui me l'a dit. Gouverneur? J'ai 2 mois à lui dire, moi, au gouverneur. On crève dans ce trois-là. C'est pas un pays, c'est un enfer. Moi aussi, j'ai 2 mois à lui dire. Allons, du calme. Du calme. Que personne ne se lève. Restez tranquille. C'est un garde chiot, votre gouverneur. Je vais lui parler. Son Excellence, le gouverneur général de la Nouvelle-France. Quel honneur que son Excellence soit la bienvenue. J'ai tenu à me rendre compte des visions. Ah, hélas, Excellence, c'est toujours la même histoire. Le scorbut, c'est terrible. Et puis... Et puis quoi? Eh ben, ils s'impatientent, ils sont mécontents. Vraiment? Je vais voir. De quoi souffre celui-ci? La gangrène. Évidemment, ça n'est pas gai. Salut, l'Antoine. Tu vas t'en tirer, mon vieux. Étonnant, tout de même. Des soldats terrassés par une simple traversée. C'est que, Excellence, les soldats n'ont pas tous le pied marin. 90 jours en mer. Et au régime des biscuits secs. Ben quoi, Clovis? Tu t'attendais à des fricots de ta paysse? Cette odeur est tout à fait insupportable. Soldats, cette pénible traversée est un contretemps fâcheux pour mon gouvernement. Il y a besoin de soldats solides, au caractère bien trempé. Ceux qui retrouveront leurs forces seront affectés aussitôt au service. Quant aux autres, le gouverneur général de la Nouvelle-France les assure qu'ils seront enterrés en terre bénite et avec les honneurs de la guerre. Que Dieu vous soit en aide. Qu'est-ce que je vous disais? Un garde chiot, votre gouverneur! Attends jusqu'à demain, bon sang! C'est ce soir ou demain au plus tard que je vais voir le gouverneur. Vous croyez? Ah, ça sera pas comme en 1660, bien sûr. C'est le bon temps. Figure-toi que je revenais à Québec avec Médard. Nous avions dans la cale des tas de pots de castor en soulevé le pont du navire. Sais-tu ce qu'il a fait, le gouverneur du temps? Il a salué notre arrivée par une salve de coups de canon. Hein? Le Sieur Radisson est là, c'est de la part de son Excellence. Hé, l'esprit Radisson, c'est moi. Voilà. Oh, mesdames! Hé, les gouvernés! Debout! Le grand jour est arrivé! Et qu'est-ce que c'est? Un pli du gouverneur. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? On va savoir tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a? Une tonnerre. Si je me tendais... Mais quoi? Mais... Trop fort. Il est pris de scrupules parce que nous avons capturé une frégate anglaise. Écoute, Lassalle, nous sommes encore loin de Québec. Je sais, mais il serait imprudent de nous approcher davantage. Attendons la tombée de la nuit.
Duluth nous attendra à l'entrée de la rivière Saint-Charles. Nous avons tout notre temps. Écoutez, Duluth, vous avez assez d'expérience pour le savoir. Je risque gros dans les circonstances. Je sais, Gaillard, je sais, mais 100 livres, c'est quelque chose. Ouais, ils vont monter à bord, ni vu ni connu. Bon, c'est bien parce que c'est vous qui me le demandez que j'accepte. Vous êtes un vrai marin. Mais à une condition. Pas question d'argent entre nous deux. Mais quand comptez-vous les faire monter à bord? À minuit. Don't forget. Tell him the ship belongs to Veal. Oh, I won't forget. Good luck, my boy. Here you go. Consultant de nous reconnaître, viens. Qu'est-ce que vous avez? Je t'expliquerai. Viens là, ton capitaine. Il vous attend à bord. Allons-y. S'appelle cet aventurier qui a pris un bateau aux Anglais? L'un s'appelle Radisson et l'autre... Attendez. Plutôt, comment s'appelle le compagnon de Radisson? Médard Chouard, Excellence. Sieur des Groseilliers. En effet, des Groseilliers. Vous vous rendez compte, m'a mis des cutéreux qui se cherchent des particules. Et au sujet de cette frégate anglaise, que décidez-vous? D'abord, ne pas précipiter les choses. Les Iroquois nous sont à dos, ça suffit. Je ne veux pas d'ennuis avec les Anglais. J'ai convoqué de comporter. Il ira vérifier la cargaison. Après quoi, j'aviserai. En pas une minute de répit. Plutôt, voyez ce que c'est. Tout de suite, Excellence. Faut que je voie son Excellence, c'est très grave. Ah, c'est vous, pas vrai. Qu'est-ce que c'est encore? Excellence, madame, je suis navré. Allez, allez, parlez. On a trouvé un homme à demi-gelé, le long de la rivière Saint-Charles.
Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est un Anglais. Il est capitaine de navire. Il dit venir de la part du gouverneur de la baie d'Hudson. Le gouverneur de la baie d'Hudson? Mais c'est moi, le gouverneur de la baie d'Hudson. Que son Excellence me pardonne, je rapporte ses paroles. Il dit que le navire appartient à Ville, ce marchand. Ville? Vous avez dit Ville? Allez me chercher cet Anglais et qu'on nous laisse seul. Puis-je faire remarquer à son Excellence que ce monsieur parle difficilement le français? Bon, en ce cas, restez peu vrai. Faites entrer. Monsieur, vous voulez me voir? D'abord, qui êtes-vous? Je suis le captain du Bachelor's Delight. Je vois, la flûte anglaise dans le port. Je vous en prie, asseyez-vous. Thank you. Merci. Mon bateau a été attacked. Assailli. Yes, assailli. Par Sir Radisson and des Groseilliers. My crew... L'équipage. Yes, l'équipage. Massacred. Je suis a prisoner on my own ship. Sur son propre bateau. Et le bateau est appartient à Ville. Arnold Ville. Your Excellency le connaît, je crois. Je vois ce bateau, le... Bachelor's Delight. Appartient à Monsieur Ville, dites-vous. Yes, Your Excellency. I escaped. Il s'est échappé. Je suis nagé dans le river et deux hommes sont, comment dites-vous, assaillis. Deux hommes vous ont assommé. Assommé, yes, that's right. Peu vrai. Vous allez transmettre à Monsieur de comporter les ordres que voici. Et vous l'avez assommé? C'est embêtant. Bah, un pauvre type. Son canot a dû chavirer. Et s'il vous a reconnu, le gouverneur va sûrement entreprendre des recherches. Nous reconnaître par une nuit pareille? Impossible. Et même s'il nous avait reconnus, comment aurait-il pu deviner que nous nous apprêtions à monter à bord de la tempête? Oui. Radisson et des Groseilliers? Vous les avez manqués d'une semelle. Ils viennent de partir pour le château Saint-Louis. Chez le gouverneur? C'est un grand jour pour eux. Ah, peut-être ben. N'empêche qu'ils avaient l'air plutôt piteux. Ah? C'est peut-être la fatigue. Tiens, d'Iberville. Pas encore parti? Je suis sur ma partance, et cette fois, c'est pour de bon. Ah, ces jeunes, ça pas une miette de patience. 16 jours, j'en ai tout mon reste. Ben, attends au moins Radisson, il t'a promis d'intercéder pour toi chez le gouverneur. Promesse d'ivrogne. Tiens, du grabuge. Les soldats descendent au port. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce soldat? Ça y est, votre assommé a repris sa connaissance et il a parlé. Oh, ben, chien. Pourquoi fallait-il que ce naufragé nous tombe dessus? Il aurait été préférable de ne pas l'assommer. Il nous est apparu comme un fantôme. Nous n'avions pas le choix. Hé, monsieur de la salle! Morgué. Il s'embarque à bord d'une chaloupe. Il file droit sur la flûte anglaise. Ben, on l'a échappé belle. Si je disais que je ne suis pas déçu, je mentirais. Vous vous rendez compte? C'est le gouverneur lui-même qui m'a fait venir à Québec. Il m'a dit que c'était pour aller en France chercher mon enseigne de vaisseau. J'attends depuis 16 jours. Pas de nouvelles. C'est révoltant. C'est ma pauvre mère qui va te désappointer. Hey, vous savez la nouvelle? Là-bas, rend le Bachelor aux Anglais. Qu'est-ce que tu dis? Les soldats sont en route pour s'emparer du bateau. Radisson et des Groseilliers sont aux arrêts. Les soldats? C'était donc ça tantôt? C'est ça. Là-bas, rend la frégate. C'est inouï. À cause de l'union entre les couronnes de France et d'Angleterre, paraît-il. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça.
Monsieur de la Barre a réussi à humilier Cavalier de la Salle. Il n'humiliera pas Radisson. Que comptes-tu faire? Voir le gouverneur, et de ce pas. Sans être convoqué, mais tu es fou! Toi, pour ce que j'ai à perdre, j'ai une folle envie de lui dire ce que je pense avant de monter à Montréal. Surveille mes sacs, ce n'est qu'un aller-retour. Messieurs, au nom de Son Excellence, le gouverneur général de la Nouvelle-France, je vous rends votre liberté et votre navire. Merci, sergent. Le gouverneur de la Nouvelle-France est vraiment un gentilhomme. This is real French fair play. Les ordres de Son Excellence ont été exécutés. Bien. Toutefois, qu'avez-vous, monsieur, de comporté? Je trouve Son Excellence bien magnanime à l'égard de messieurs les Anglais. Et cela vous étonne? Oh, Excellence, pas le moins du monde. Mais je me demande si le gouverneur de Manhattan renoncerait avec autant de magnanimité à une frégate française. Je suis le gouverneur de la Nouvelle-France, monsieur. Et je crois qu'il vaut mieux rendre un bateau que de risquer une guerre avec les Anglais. Ils sont nos amis, ne l'oubliez pas. Assurément. Son Excellence ignore peut-être que ce voilier est sans congé, sans passeport de l'amirauté britannique. Ce n'est donc qu'un forban. Je connais mon métier, monsieur. Et je suis là d'abord pour empêcher la guerre. Je suis sans armes et sans soldats. Vous avez vu la tempête? Ce n'est plus un navire, c'est un tombeau vivant. Sur 1000 mousquets, 740 tombent en pièces. Et vous croyez que c'est le moment d'indisposer Dongan, le gouverneur de Manhattan? Son Excellence a raison, sans aucun doute. Alors? Les habitants ne l'entendent pas de cette oreille. De quoi se mêle-t-il, cela? Il y a des bruits. Des bruits? Quels bruits? On dit que Radisson et les Groseilliers comptent rentrer en France pour plaider leur cause auprès du ministre. Monsieur Colbert? Mais enfin, Miltonnerre, j'insiste pour être reçu. La patience a des bornes. Je vous assure que Son Excellence vous recevra bientôt, mais pour l'instant, elle est très occupée. Voilà des semaines qu'on me répète les mêmes sornettes. Annoncez-moi! Je ne quitterai pas les lieux avant d'avoir audience. Qu'est-ce que c'est? C'est le jeune Lemoine. Il est déchaîné. Il veut vous voir. L'affaire du Bachelor l'énerve. Je vois. Un autre qui veut s'en mêler. Qu'on m'amène ce jeune exalté. Mais... Faites-le entrer, vous dis-je! Si j'ai insisté pour voir Votre Excellence... C'est qu'elle vous a convoqué, jeune homme. Oui, je sais. Il vous a fallu attendre, c'est fâcheux. Il me manquait certaines données, mais maintenant je suis fixé. Vous vous embarquerez sur la tempête. Vous irez chercher votre grade d'enseigne à la cour et vous transmettrez au ministre mes recommandations pour que le poste de gouverneur de Montréal soit confié à votre père. De plus, je vous charge de convaincre le ministre d'envoyer des troupes fraîches pour combattre les Iroquois et les Anglais. Dès demain, je vous ferai remettre la lettre et accréditation dûment signée de ma main. N'est-ce pas, monsieur de Comporté? Vous avez quelque chose à ajouter? Allez, mon jeune ami, et bon voyage.